Bonjour à tous, mesdames et messieurs, c'est Oscur pour une nouvelle vidéo et c'est la semaine 12. Non, on est 5, semaine 5. Assertion d'une Challenger 6, 5, 7. Non, c'est la sixième semaine, je crois. J'en ai aucune idée. Et on a eu la mise à jour, donc normalement on devrait pouvoir se login, vous savez, je ne vais pas avoir un message d'erreur maintenant. Et normalement on devrait enchaîner par une super cinématique. Let's go! Attends. On crie pas Victor trop vite. Let's go! C'est bon. Alors, j'ai pas de 1284 de puissance, mais c'est parce que je dois avoir une arme de merde. Genre xénophage. Mais allez, c'est parti. 100% on a une cinématique là. Non, bon, ok. Très bien. Alors, il y a une quête au moins. Oui, ok. Bon, boutique. Il y a des nouvelles, il y a des nouveaux trucs ou pas? Ah, la coque paisible. Alors ça, c'est stylé. Ok, je prends. Le reste est déjà. Et alors, oh putain. Alors, oh oui, le dynamo de nectar. Oh là là. Oh, ma vie est tellement belle. Oh, le dynamo de nectar. Let's go. Alors ça, c'est ça, ça pue. Ah, les bottes célestes. Bon, bah je prends aussi. Allez, hop. Je prends. Arrière-goût amer. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai... Ah, d'accord, ok. Ok, très bien. La menace affichée. Oh! Le vaisseau est stylé en vrai. Le vaisseau est stylé quand même. C'est pas le top tier, mais il est stylé. Et après, bon, on a des... Ouais, bon... Ouais... Ouais... Bon. C'est déjà pas mal. Peut-être que je vais prendre le petit gardien... Pas le gardien, le spectre. C'est 1200 par pièce d'armure, on est d'accord là. Il m'en manque combien? Parce que là, du coup, j'ai le gant de préfet. Mais alors, oui, alors, oui, alors. J'ai aussi ça hein, quand même, c'est bien aussi. Mais voilà, j'ai les bottes célestes. Incroyable. Et le gant de préfet que je peux changer. Ah, ça, c'est les gants célestes, excusez-moi. Oui, c'est bien les gants célestes, c'est bien ce qui me semblait. Donc voilà. Du coup, il me manque plus que donc 3. Donc 3 fois 1200, ça nous fait 3600 essence, mes couilles, poussière lumineuse, mes couilles. Du coup, ça va, j'ai assez largement assez, donc je pourrais me prendre la coque paisible. Est-ce qu'elle est bien? Oh. Oh, mais mon Dieu, regardez-moi cette dynamo. La dynamo de nectar. L'épreuve. Jacarina, il me faut Jacarina. Il me faut Jacarina. Bon, c'est pas si incroyable, mais oh là là. Même quand c'est bien Jacarina. C'est pour ça que c'est le meilleur. C'est le meilleur possible. Bref, peut-être, on verra pour la coque paisible. Pas tout de suite. Mais du coup, ça nous porte l'équipement de la saison à 900 argentum, soit moins de 10 balles. Mais bon, on verra, vous savez. C'est vrai que l'armure de l'arcaniste est quand même incroyable, je veux dire. Bon, j'ai les deux pierres parties, mais c'est quand même incroyable. Regardez-moi ce Pégase, ce magnifique Pégase. Bref. Allons au Simu! Allons au Simu! Il faut que j'aille parler au Simu. Pendant ce temps, donc comme vous pouvez le voir, j'ai obtenu deux nouvelles pièces maîtresses. Hein, ça s'augmente au fur et à mesure, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Du coup, on est à 88, 89 et 22. Là, on pourrait avoir deux trucs supplémentaires. Et ça pourrait être intéressant. Alors, il y a des gens? Il y a personne là-bas. On va voir. Alors. Bonjour, transmission. Les cabales n'ont aucune honte. Ils ratent leur assassinat et redoublent de barbarie sur le champ de bataille. Croyez-moi, j'aimerais qu'il en soit autrement. Mais j'ai déjà observé maintes fois ce scénario. À l'instar de nos seigneurs de guerre, Kayatel et ses commandants sont attachés à l'honneur. Ils y tiennent pour la peur inspirée chez leurs ennemis. Il n'y a là aucun mérite,
aucune confiance. On ne négocie pas avec pareil brute. Retrouvez-les sur le champ de bataille. Et prouvez-leur ce qu'est le véritable honneur. Ok. Bon. Saladin doing Saladin things, hein, basiquement. Je vais baisser un petit peu mon micro, mais voilà. Il informe les présents de l'escalade, de la violence chez les cabales de tout le système. Comme les sièges au conseil de guerre de Kaëtan n'ont pas encore trouvé preneur, les commandants se déchaînent dans l'espoir d'obtenir un. Leur chaîne d'alimentation est soumise à une rude épreuve et la confiance dans l'Empire décroît. Bien sûr, le seigneur Saladin a vu où peut mener le désespoir et il pense que le moment est venu de porter le coup de grâce. Ok. Mais moi, je m'en fous. Moi, je veux devenir pote avec Ayatol. Elle est sympa. Moi, je veux pouvoir sélectionner Cabal dans ma race dans Destiny 2. 3, excusez-moi. Il nous faudrait 3 nouvelles races. Une par classe. Genre, on pourrait faire un Cabal quand on joue Titan, mais que quand on joue Titan. Un déchu quand on veut jouer, je sais pas moi, Chasseur. Et pour une troisième pour l'Arcaniste. Bon, ça pourrait être la ruche, mais j'en ai rien à foutre. Ah. Alors, normalement, leur Cabal... Est-ce que ils vont me... s'il vous plaît, la quête, vous savez, pas très sympa. Ah. Je suis pauvre. Je suis pauvre. Oh, merde. Oh, bon. Alors, 7e semaine. Il y en a 7, cette fois-ci. Ok. Donc, oh putain, il y a des trucs là. Hein. Ouais, ok. Oui, Challenger 6. Ah, et c'est tout. On peut... Si, voilà, si. Des cabales d'élite ou des boss cabales dans les missions champ de bataille. D'accord, ok. Et là, c'est XP, là, c'est double XP, là, c'est double XP, là, c'est XP x 4. Ok. Très bien. On est à combien? Ah oui, on est à ça, c'est vrai. Là, j'ai loupé des trucs. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, ça, ok. Et ça, c'est l'épreuve, ok. Bon. Et bien on verra, mesdames et messieurs. Ah, ça c'est quoi? C'est vraiment une grande pile de poussière. Bon, ok. Donc là, on en aura encore aussi. Est-ce que... Oui, là, je peux avoir encore deux autres poussières. Là, je peux avoir deux autres poussières. Là, je peux en avoir une. Là, je peux en avoir une. Ok, d'accord, très bien. Bon. Alors, comment est-ce qu'on... Ouais, mais non. Comment est-ce qu'on fait ça? Déjà, on va prendre ça, mais du coup, est-ce qu'on fera pas deux champs de bataille finalement, histoire d'augmenter un... Ah, je peux acquérir ça. Tiens, let's go. Il a fait quoi? Putain, c'est vraiment de la merde ça. Alors, nombre de charges possible. Ouais. Ah. Ah. Ça pourrait m'empêcher d'avoir ce genre d'erreur. Non, mais autant avoir ça, ouais, allez. On a moult hors cabale. Et comme ça, on a tout terminé. Il nous restera 4 améliorations. Non, 5. 5 améliorations. 10. 10 améliorations. Ok, bon. Très bien. Ok, ok. Ça, je l'ai déverrouillé. Parfait. Session 22, on est à 16. On pourra avoir... Là, on peut désormais avoir 18, c'est ça? On peut avoir 18? Ouais, 1, 2, c'est ça. C'est ça, 2. 18. C'est ça. Bon, ok. Il faut faire des trucs avec des arcs, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, on va en faire. Arc, vous voulez, arc, vous aurez. Très bien. Et donc, c'est bien Xénophage qui me nique mon truc, mais j'ai pas de module d'amélioration, ma vie est nulle à chier! Ok, bon, on va faire des champs de bataille alors. Activité rapide, ma foi, somme toute. C'est quoi? Ah, c'est là, ok. Activité, somme toute, ma foi, un peu sympathique et rapide. Donc, ça nous permet de fermer le pass de manière intéressante. Là, dynamo de nectar. Oh, regardez-moi ça, quoi. Oh, regardez-moi ça, même on voit les débuts des constellations que ça va donner, putain. Ça m'a l'air stylé de ouf, ça m'a l'air stylé de ouf. Regardez, alors on va essayer un truc. Ah bah tiens, on va lancer un champ de bataille maintenant d'ailleurs, en attendant. Parce que bon, voilà.
Là. Oui, je m'en fous. Il me faut de l'or cobalt, je m'en fous. Alors, donc. On va prendre l'équipement de la saison, j'ai envie de dire. Paf. Alors, c'est S. Paf. 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 Et paf. Ah oui, alors c'est ça que ça nous donne un côté un peu... ouais. Ça nous donne un côté gilet un peu astronaute bizarre. Mais bon. Ah oui, non. On avait ça déjà. Là. Oh putain. Ah, dommage qu'il y ait du blanc. J'aurais bien aimé que ce soit genre full, full bien dégueulasse. Mais bon. On verra plus tard quel est le meilleur. Et le plus adapté. Bon. Alors on va foncer sur les gens. Pas sur eux. C'est bon, on l'a touché. Voilà. Voilà. Alors eux, ils vont nous one-shot, c'est ça. C'est basiquement ce qui est en train de se passer. Ouais, ouais. Ah mais non, mais là, ça dépend de la puissance. Donc c'est... Quoi ? J'ai appuyé deux fois quand même, là, sur mon... Sur ma faille. C'est un peu chiant, là. Mais bon. Très bien. Du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Putain, mais c'est vrai que j'ai vraiment pas posté. On va prendre ça. Qu'est-ce qu'ils font, ces cons ? Ah, eux aussi, ils font les arcs. Génial. Alors. Tiens. 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 Ah, oh, on peut les tirer. C'est très chiant. Ah ! Tiens. Merde. Putain, mais il a tapé. Putain, quel chien. Ah non, lui, il est pas mort. Il est mort, je viens. Parfait. Oh, je vise tel Robin des Bois. Tac. On est là pour... Oh. Déjà. Hop. On est là pour full arc et après full faire autre chose. Hop. Ah, je crois que c'est la one shot là-bas, non ? Ouais. 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 Alors c'est dur de... Ouais. Ouais. Ok. C'est bon, je l'ai eu. Ouais. Ouais. Non, j'ai rien là. J'ai pas le temps. Et c'est arrêté instantanément. Et il se... connard. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est de la provocation, monsieur. On sent les yinches. Les yinches arrivent. Non, 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 arrêtez. Laissez-moi tranquille. Connard. Oh, regardez-moi ça. Oh, quelle visée. Drag shot. T'es sérieux là? Bon, parfait. Oh, cette alliance de grenades. Oh, non, je vois le temps. J'utilise la puissance de mes boules. Et les boules sur mes épaules. Tac. Et celle sur ma tête aussi, parce qu'il faut quand même. Faut quand même pas oublier les gens quand ils font du bon travail. Voilà. Voilà. Je passe mon temps à zoomer et à dézoomer. J'ai pas du tout envie de vomir. Mais laisse-moi tranquille. Parfait. Regardez. Non. Qu'est-ce qu'il fout là? Plus de munitions, bah génial. Moi qui voulais flex, en gamme puissant. Let's go! Parfait, je veux dire. Bon, ça sert à rien parce que on est déjà à 1300, mais let's go, regardez-moi ces boules. Incroyable. Hop.
What? Très bien. On repart. Le char prend des sauces pour des munitions cabales. C'est quand même incroyable. En fait, j'ai l'impression que là, on a tellement plus de chances de tomber sur ce champ de bataille-là plutôt que de tomber sur les autres parce que il y a tellement de personnes qui n'ont pas fait toutes les quêtes d'assertion du challenger. Et du coup, bah, comme ils n'ont pas débloqué les autres champs de bataille, bah, ils peuvent tomber que sur celui-là. En tout cas, ils ont moins de rotation, enfin moins de différents choix. Ce qui fait qu'on se retrouve souvent avec les mêmes champs de bataille. Champs de bataille. Hop. Hop. Oui. Oui. Parfait. Alors on en est à où là bizarrement là tout de suite là au niveau des quêtes de mes couilles. 43, ok. Ouais, cru électrique, précision, tout ça. Ouais. Oh putain, j'ai déjà fait. Parfait alors. Si j'ai déjà fait alors on n'a pas besoin. Oh mais non. Les arcs dans les jeux vidéo. Oh je prends. C'est à moi. Je vais vous montrer mon adresse à la baballe. Gagné. Let's go. Alors. Bonjour. Bonjour. Regarde-moi ça. Regarde-moi ce mouvement. Et encore avec une autre arme qui puisse être rechargée. Encore plus stylé. Hop. Tiens. Ah non! C'est bon, dans le pied. Mais putain. Arrête, quoi bien. Bon, il a eu. Ouais, j'ai eu. Grosse merde. Si j'étais moi-même, je te raiserais pas. Bon alors attendez, 2 secondes. Parce que là bon, on peut se permettre des choses ici. Tellement ils sont nuls. Tellement on a fait ce champ de bataille 50 fois aussi, je dis ça, mais... Ça me fait vraiment chier de pas avoir d'autres champs de bataille pour le coup. Je pense que si le prochain c'est aussi celui-là, je vais quitter, je pense. Ça me fait un peu être les couilles. Genre vraiment. À la limite de faire une activité en boucle. Ok, mais si c'est vraiment la même alors qu'on peut avoir, on a plusieurs choix, ça me fait chier un peu quand même. Et là j'ai l'impression d'avoir fait 10 fois des mains. Il est probablement le cas d'ailleurs. Pas tranquille. Alors j'ai déjà ramassé mais tranquille. C'est où? Ah c'est là-bas. Regardez-moi ça. Hop. Parfait, ils ont fixé. Très bien. Et où il est là? Les renseignements là. Du corbeau indiquent que le commandant est à d'accord, proximité. Connard, j'ai gagné. J'ai gagné, let's go. À tout cela. Nous avons affaire ailleurs. Allez. Ok. Ouf. Oh, il s'est pris un headshot. Ouf. Je vais ski. Je vais ski. D'accord, bah du coup je peux y aller. Oui, d'accord. Bonne chance.
Il a vraiment fait ça. Ah non, ça va, il va sur Kayatol. C'est pas la Kayatol, mais tranquille. Tiens. Parfait. Ah. On va se positionner de manière plus adéquate, plus adaptée. Oh, putain, il va vite lui. Oh putain, j'ai failli one shot un mec en passant. Ok. Bon. C'est chiant qu'il n'y a pas de scénario tout de suite là parce que j'ai rien de quoi parler en fait. J'ai rien à dire. J'ai pas de quoi parler. Je sais pas si j'ai pas de quoi parler ou j'en ai rien à foutre. Ça je sais dire. Je sais dire m'en fous. Oh putain. La question de cible a suffisamment bien marché. Il s'est fait détruire. Tiens. Hop. Ouais. Oui, d'accord. Faites les couilles. Yeah. Fuck. Ok. Je garde mon super pour le dernier. Hop. Regardez-moi ça, cette précision sans égal, absolument pas aidé par l'alimentation des balles dues à l'acquisition de cible. Par contre, je lui fais vraiment zéro dégâts avant. Tiens, en ça. Le pixel que je lui enlève à chaque fois. C'est bon! Let's go! Tiens. Non, pas ça! J'ai esquivé. Oh, c'est de la merde. Ah. Parfait, détruit. Ok. Ok. Bon, c'est le moment. Meurs. C'est pas mal. On a enlevé la moitié rien qu'avec ça. Par contre, j'ai plus de munitions du tout. Deux zooms, laisse-moi prendre ça. Ok. Je vais esquiver. Je tire. Dans les airs. Et putain. Mais qu'est-ce qu'il fout derrière lui? Très bien, comme il veut. Oh, on m'a réanimé. Du coup, j'ai de nouveau des munitions. Il est où? Meurs. Parfait. C'est sympa. Bien joué à tous. Oh, putain. C'est derrière. J'étais sûr que c'était là. Oh non. Alors, vite, bon. Du coup, il faut décidément. Oh là là, putain. Nous ne sommes pas nombreux à nous tenir entre l'humanité et le mal. Les cabales cherchent seulement à survivre, comme nous. Voilà. Pendant des siècles, j'ai observé l'humanité courir à sa perte, tandis que les nouvelles lumières dialoguaient sur des trivialités. Démon. Si l'avant-garde veut une paix durable. Voilà. Maintenant, on insère. En finir avec les cabales. Voilà. Et leur cabale encore. Et maintenant on va replier. Parfait. On est à combien de... C'est bon, on a l'arc, c'est bien. On va pouvoir changer. Parfait. On va pouvoir tester nos armes de raid. L'arme que j'ai eue dans le raid du Jardin du Salut. Let's go. On va garder le sniper. Et le problème c'est que j'ai toujours pas de module d'amélioration. Donc Xenophage sert toujours à rien. Ah oui, j'ai ça aussi. Regardez-moi ça. Oh mon dieu. Incroyable. Et normalement, j'ai aussi les jambes. C'est ça. Je traverse la tunique. Ah, oh, c'est dommage qu'il y ait du blanc. Mais bon, on peut pas toujours tout avoir. Ok.
Si je prends l'armure de type... oui, celle-là. L'armure juste. Vertueux, vertueux. L'armure vertueuse. Hop. Tac. Normalement, ça devrait faire des trucs stylés. On l'a vu à peu près un petit peu au début, mais... Tac. Là. Alors. Ah ouais, ah bah là tout de suite, oui. Regardez-moi cette prestance. Regardez-moi ça. Oh, la dynamo de Nectar. On dirait une... Déjà, on dirait un club de football. Et en plus, incroyablement... putain, quoi. 1, 2... D'ailleurs, on a 3, du coup. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Parfait. Et on repart. Mais encore sur le même... Ici, pas sur le... Allez, c'est reparti. Alors là, c'est giga mort. Là, c'est giga mort, les gars. Mais bref. Pendant ce temps, on va essayer avec... Tac, la chasse ultime. La course. Mais ce qui est dégueulasse, d'ailleurs. Hein. Gants de course. Cuirasse de course. Alors après, le problème de cette armure, c'est que il faut vraiment être en accord avec les os qui ne changent pas, eux. Et que du coup, si vraiment ça marche pas... Ah ouais, ça reste quand même stylé. C'est ça qui est incroyable, c'est que ça reste quand même stylé. Regardez-moi ça. Ça brûle de partout. Quel style, quelle puissance. Je prends. Et bon, ça, c'est ok, d'accord. Ah oui. Parfait. Bon, on repart. On va très certainement réussir, essayer de le faire en une seule fois, normalement. Ou voire deux. Peut-être que ça sera deux, du coup, parce que j'ai mis un peu de temps. En tout cas, oui. Donc, prends ton dynamo. Toi, prends ton dynamo. Toi, prends ton dynamo. Toi... Non, je peux juste appuyer sur S. Prends ton dynamo. Et toi, ça sert à rien avec ce revêtement, mais prends quand même ton dynamo. Voilà. Et donc du coup... Ok, pas mal, pas mal. On a testé avec pas mal de trucs. Celui-là, il marche bien. Celui-là, il marche bien. Ok. Alors, qu'est-ce qui marche le mieux, là? Ouais... Oh ouais, ça marche bien. Ah bah parfait, enfin. Enfin un truc que j'ai pas fait souvent. Bah ça c'est cool ça. Ah bah tiens, d'ailleurs cette arme. Avec le dynamo. Ça c'est stylé, mais avec le dynamo. Oh non, putain. Ça manque de peps quand même. Ça manque de peps Guardiola. Mais bon. Examinons la déchirure du coup. Alors 5 ans de munitions pour ce fusil automatique. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, merde, je vais pas faire ça. Ah là. Oh putain. Oh sa mère. Oh sa mère. Oh sa... What? Je recharge si vite. J'ai tellement de munitions. Je tire si vite. Oh le siphonnage! Oh je vais récupérer moult. Parfait. Je récupère moult munitions. Là. Ok. Parfait. Attendez, il y a des connards là-bas. Attends.
C'est un fusil automatique ça? T'es sûr que c'est pas un pistolet mitrailleur? Parfait. Oh. Ok, 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 ok. Et même comme ça, regardez, même sans hors la loi, ça va vite. Ça me fait dire que ça fait pas forcément le meilleur rôle, mais bon. Il y a vraiment un rôle d'arme d'ailleurs, je sais pas si c'est possible. Mais... Je sais pas si toutes les armes ont un rôle. Moi je suis content hein, avec le rechargement actuel, mais bon, on verra. Ça se trouve, c'est vraiment ça. Oh là là. Ah. Mais bon, je vais vraiment tout prendre là. Ah, let's go, le défi saisonnier. D'accord, donc barré. Il a disparu. Incroyable. Vous êtes sur le bon chemin. Allez, comment il est gros. Creuser, vous toucherez bientôt le jackpot. C'est le titan, il est gros. Nous détectons d'importants pics d'énergie sous vos pieds. Désolé. Il y a de fortes chances pour que ce soit. Respect à toutes les personnes en situation de genre, bien sûr, on est avec vous. Alors, c'est parti. Surcharge de lumière est avec WAM. Et je pense que je peux avoir un meilleur. Je peux sortir un truc meilleur de cette arme au niveau esthétique. C'est déjà vachement stylé, hein, mais je pense que je peux le rendre encore meilleur. Ok. Notamment avec un camouflage fatigue. Mais non. Pas forcément. Hop. Au secours. C'est bon, parfait. Ok. Non, ça c'est dégueulasse. Au revoir. J'aime pas. Bah putain, le mirail, la muraille de projectiles là, qu'est-ce qui se passe? Hop, parfait. Mais laisse-moi tranquille. Ah, il a le temps. Après, ça fait pas énormément de dégâts non plus. Ça peut le dire. Et en même temps, c'est top et dessiné. J'étais derrière le mur, mais ok, très bien. Alors, du coup, on va en profiter pour tester un petit peu les différents. Ouais, ça va. J'ai pas de bon camouflage. Oh! Alors, on voit plus trop l'illumination, donc c'est pas ouf. Et ok. Ah, c'est dommage que le jacana ait un peu de. Oh, ça c'est stylé, bon. Ça, c'est dommage, on voit trop le. Oh, c'est pas mal ceci. Ça doit être mieux, mais c'est déjà bien. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, allez, regardez celui de base. On va aider un peu les potes. Bon, respawn là, en fait, j'ai vraiment pas envie. Obligé. Salut. Alors. Il y a plus les mini dévex. D'accord, donc pas lui. Ouais. Alors, ah, il faut tuer les cabralos. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Wow. Tu vois? Le tien. Elle est où? Elle est morte! Elle est morte! Tiens. Une hydre. Meurs. C'est bon, parfait. Oh putain, allez hop, allez-y, mettez-vous en mode illumination divine. Voilà. Personne a de boule. Ah, il faut éliminer des vex encore. Ah.
Ouais. Ah, il y a des connards. Regardez les connards. Il est mort. Ouais. Hein ? Ça doit être un truc d'un. Hop. Ça doit être une arme exotique, un truc comme ça. Certainement. Au revoir. Incroyable. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, connard ? Connard, connard. Allez, on peut pas y aller là. C'est vrai. Hop. Oh le bâtard, c'est vrai. Ah, les titans c'est pété, hein, d'habitude. Aïe, j'étais sûr d'avoir un saut, bordel. Bon bah c'est ma faute. Putain. Baf. Mais c'est bon, tout va bien. Tout est sous contrôle, vous voyez. XL au bras long. C'est vraiment dégueulasse, hein. Par pitié, j'espère qu'un jour on me donnera pas un surnom machin au bras long. Let's go, j'ai un bras très long. Yes. J'ai réussi ma vie, j'ai un bras long. Non, c'est dégueulasse. Alors. Donc. C'est vraiment ça, se TP pas là? Il veut pas me TP. Donc c'est vraiment l'autre côté. Il est temps de montrer ce que bon, ok. Rejoins nos alliés, c'est bon. Vous savez attirer leur attention. Ah. Le jeu veut pas. C'est ma faute, le jeu veut pas. Ils ont désactivé le portail, je suis sûr. Oh putain, alors c'est le bordel. C'est la foire à la saucisse. Ah. Il y a une cape d'arcaniste. Comment on est censé lutter? Mais regardez-les, il y a trop d'options. Déjà, ici c'est chez moi. Ok. Déjà. Ah. Non, ça va, je suis bien là. Ah non, je voulais pas tomber. Bonjour. J'ai ça. Aïe. Il va si vite. Il est déjà là-bas. Et je vais être... Non, il s'en fout. Ok, d'accord. Non. Je pensais que j'allais être rejoint par une personne, mais elle a l'air de s'en foutre. Donnez-moi deux secondes. Bonjour. Parfait. Je me suis pris un truc en pleine gueule. La caméra elle a bougé. Beurre. Ouais, parfait. Ah, on part là en fait. Viens là toi. J'ai rien dit, au secours. Viens. Yeah. Il y a encore là. Ah, parfait. Bien, monsieur. Illégal. Oh oui. Non, putain. Pourquoi il bouge? Illégal, monsieur. Parfait. Okay. J'adore faire ça. On n'a aucun sens, aucun rapport, mais... Paf. Bon, parfait. Que les cabales savent se montrer créatifs pour faire la guerre. Vous croyez? Ils ne font qu'adapter de la technologie Vex. Si elle est là, autant s'en servir, non? Il faut bien savoir se montrer ingénieux quand on vous a privé de votre foyer et de votre monde. Et ça compte double quand c'est la thèse de la guerre de la ruche qui vous met dehors. Est-ce que j'entends de la compassion dans votre voix, Holiday? Non, aucune. Comment osez-vous? Toutes mes excuses. Je respecte leur lutte, c'est tout. De la compassion envers les cabales. Je vais te raconter ça à Zavala, non pas. On s'en fout. Ouais, let's go. Défi saisonnier, saison, machin. Let's go. De l'XP. Exactement ce que je voulais. Et du coup, il nous manque... ouais. Il faut rencontrer Sadin, Osiris et Zavala. Ah... J'ai l'impression qu'il va y avoir du grabuge. Il va y avoir du grabuge. Alors attendez, laissez-moi juste augmenter un petit peu le son des dialogues.
Et un peu tout d'ailleurs. Voilà. Parfait. De toute façon là on va être TP. Orbite. Je sais pas si j'ai le temps de toute façon. Ah oh ah non. Merci. J'ai dû spammer échappe pour pas être renvoyé dans un champ de bataille. C'est bon, ça va, on l'a fait. On a fait notre quota pour cette vidéo au moins. On va voir la discussion et puis après voilà. Bon, sinon. Alors, le torse. Ah, donc là c'est vrai que ça ressemble un peu à ce qu'on va voir pendant la saison. Donc, bon. Oh putain de merde. Oh ce bleu. Ce bleu qui pète les yeux. Il y a trop de blanc sur celui-là. Ah non. Bon, on va aller parler aux gens d'abord. Alors. Où Saladin ? Zavala ! Osiris, mon meilleur ami. Ce que les cabales nous ont fait après Gaul, pourquoi ne sommes-nous pas en guerre ? La décision n'est pas simple. Vous le savez. Pas simple, mais inévitable. La guerre n'est bonne pour personne. Mais les cabales sont agressifs et fiers. Si nous ne faisons rien, la situation va dégénérer. La cité sera en danger. Agissez vite. Éliminez leurs dirigeants. Unis, nous réglerons le reste en quelques semaines. Vaudrions-nous mieux que nos ennemis ? Dans tous les cas, je doute que Kaiatl se laisse faire aussi facilement. Kaiatl. Mais il est peut-être utile de penser comme un cabal. Kaiatl a renoué avec les anciennes traditions. Si Zavala exige un combat cérémoniel, elle devra accepter, sous peine de perdre ses soutiens. Oh. Le champion de l'humanité face à celui des cabales. Le vainqueur décide de l'avenir. Si nous l'emportons et que Kaiatl respecte sa promesse, qui nous dit que ses fidèles en feront autant ? Et si nous perdons le pari, louera-t-elle votre diplomatie ? Avec un couteau sous votre gorge. Tout combat est un pari. Mais parierez-vous sur nos meilleurs gardiens ? Sans hésiter. Entamez les préparatifs. Je contacterai Kaiatl pour parler des conditions. Commandant. Votre coopération est la bienvenue. C'est parfait ! Battle Royale ! Putain, Saladin et l'extrême droite. Ça, monsieur ? Osez l'issue. Ah, bah tiens, génial. Le conseil de guerre a un message du seigneur Saladin. Je n'aime pas ces demi-mesures, mais quelle que soit mon opinion, j'ai le devoir de les faire appliquer, vous aussi. Si Kaiatl accepte nos conditions, nous écraserons le champion qui se présentera. Nous devons désormais attendre le moment. En attendant et voir comment. La nouvelle impératrice réagira face à une défaite imminente. Incroyable. Il en a rien à foutre. Il détruit les gens. Et bah c'est parfait. On a terminé notre défi saisonnier. Et on a gagné un truc, je crois, une amélioration. On va faire ça. Parfait. Donc. Paf. Un engramme d'Ever Versum, aiguille, machin encore, la réputation, grande réputation supérieure, une nouvelle légende, deux nouvelles légendes, tac, est-ce que je peux réaméliorer un truc ? Oui, let's go ! Allez, on va aller jusqu'à 3, tiens, voilà, comme ça, hop, c'est bon. Donc il nous en manque plus que 4, oui, donc il nous en manquait 6 avant, mais bref. Il ne manque plus que 4 améliorations, mesdames et messieurs. Je sais pas compter. Il m'en manque plus que 5. Je sais pas compter du tout. Décidément. Mais bref, il nous en manque plus que 5. Ce qui correspond au niveau 22. Donc, on aura le grand sérieux. Avec le Dynamo Nectar. Quel bleu incroyable. Bref. Alors, ça c'est... Oh putain, c'est vraiment particulier. Ça c'est stylé. En fait, ça synergise bien avec le violet de base du truc, donc c'est vachement stylé. Donc je prends.
Les bots. Ça synergise pas des ouf. Alors ça donne un... Oh, putain, c'est un marron vraiment bizarre, ça. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Oh! Oh mon dieu! Oh, ces bottines bleues! Oh, les bottines bleues, incroyable! Ça, c'est les bottines violettes, bien sûr. Et encore ce marron bizarre. Ah! Alors, ça, c'est vrai que... Bon, le problème, c'est que tout seul, c'est pas ouf. Parce qu'en fait, on voit ces parties-là de l'armure qu'on n'est pas censé voir, je pense. Ce qui fait que c'est un peu blanc tout nul. Donc c'est pas tellement ouf. Mais alors mon dieu, les bottines bleues. Oh, je les prends. Oh, les bottines bleues avec le pantalon bien rouge, sa mère. Incroyable. Alors, les gants. Ça peut marcher. Pour le coup, celle-là, elle peut marcher, mais on verra. Ah oui. Ça, c'est, ses mains, elles sont sympas. Ça, c'est pas ouf. Ça, c'est pas ouf. Et ça, c'est pas ouf. Ouais. Les gants célestes sont vraiment sympas. En plus, ça fait un écho avec les bottines bleues. C'est parfait. Et alors là, ça va être dur de toper ça. Alors, avoir une seule boule, c'est pas ouf, même si c'est la boule bleue. Bon, ça, c'est nu tout le temps, mais bon. Ça, c'est vraiment stylé. Et bon, bah, t'as fait de ton mieux. T'as gagné une image. Mais en plus, tain, mais ça synergise vraiment de ouf avec ça, parce que le violet, il reste tout le temps. Et du coup, regardez. Et c'est un truc qui reste tout le temps et ça synergise particulièrement bien avec la dynamo. Ouais, non, vraiment. Incroyable. Incroyable. Décidément. Bon, alors ça va être dur de. Ouais, il va falloir enlever tous les merdes à moins de 1200. Ouais, c'est ça. On va pouvoir avoir un truc au-dessus de 1299 quand on parle d'engrammes, de l'umbra bizarre, machin. Donc, bon, voilà. Alors bon, c'est encore une saison teasing, enfin c'est encore une semaine un peu teasing, mais du coup on a pas mal de trucs. On a pas mal de trucs parce que ça inaugure du bon. C'est... J'en ai l'eau à la bouche, comme on dit. Parce que là franchement il y a des trucs intéressants qui peuvent arriver, un combat à la loyale entre le champion de Kayatol et nous. On va boxer leur daron. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est comme ça? Ils ont rajouté des trucs? Qu'est-ce qui s'est passé? D'habitude, c'était en une seule page, mais bon, ouais. Prenons des armes. Armes. Oh, ça va mettre du temps. Voilà. Et ensuite, on va maintenir le clic gauche. Paf, 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 et paf, et paf. Bon, j'ai tout le set, basiquement. Alors. Oh mon dieu. Et plus encore, même. Oh, c'est tout. C'est bon, parfait. Ça pue. Pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Ça pue. Et ça pue. Ok, ces deux là ça va être intéressant. Celui-ci de piétal, intéressant ça pour le coup. Mais on n'a pas. Frénésie, bon, ça peut être ok. Ah, et on a sourcil, intéressant. Sourcil, c'est déjà, oui. Ah ouais, ça peut être pas mal ça. Ça pue. Point. Ah, quoique non. Du coup, oui. Ça augmente la vitesse de rechargement et ça recharge également les. Oh. Oh, ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal. Stabilité, ça pue, mais en dehors de ça, ouais, ça peut être pas mal. Juste. Imaginons par exemple que je prends une arme typique de cette saison, genre ceste sanguin. J'aime bien cette arme. 7ème séraphin. Oh. Ça rend toutes les armes un peu comment on appelle ça, hein. Ça rend toute arme banale assez un peu exotique, quoi. Bon, ça, je joue pas trop à l'épreuve, mais sinon ça pourrait être intéressant.
Mais non, l'aiguille impériale. Aïe, 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 aïe. Ce violet, mais ce violet, il pénètre ton âme. Ce violet pénètre ton âme. C'est incroyable. Ça, par contre, ça pue. Mais ouais. Décidément, très, très intéressant. Et là, le reste, bon. Il va falloir que j'utilise ça. Pour l'un ou l'autre. Certainement la guillotine, d'ailleurs. Mais ouais. Parfait, hein. Parfait, parfait, parfait. Bon, bah en tout cas, c'était sympa comme comme truc. C'était assez rapide, on va pas se cacher. Fuck. J'ai encore un sniper ou pas? Oui, j'ai sniper là. Bon, on va l'envoyer au commis des postes. On va l'envoyer plus tard. Voilà, bref. C'était sympa comme petite vidéo. Voilà, bon, bah cette semaine fut assez courte en général, comme la précédente. Mais cette fois-ci, on a quelque chose à se mettre sous la dent. On a un teaser incroyable sur peut-être une nouvelle activité, on sait pas. Ça va être vachement stylé et on va voir ce qui va se passer. Gayatol va accepter, qu'est-ce qui va se passer vraiment si elle va refuser et que finalement elle va dire en fait tout ça c'était mon plan. Je voulais en réalité niquer les traditions en montrant que ça servait à rien et on va faire une alliance vraie maintenant, cette fois maintenant que vous m'avez débarrassé de tous les autres cabales qui pourraient être des potentiels concurrents. Mais on va voir, on verra. On verra comment ça va se passer. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour voir la suite du pass saisonnier de Destiny 2 ou alors d'autres vidéos sur d'autres jeux. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Oscur. Salut!